août 1969, le festival de Woodstock rassemble 400 000 jeunes. Les manifestations contre la guerre du Vietnam mettent en fureur la Maison Blanche. C'est l'époque des manifestations, des hippies, de la drogue et de l'anarchisme. Dans les collines d'Hollywood, tôt le matin du samedi 9 août, la domestique entre, comme tous les jours, dans une maison de Cello Drive, qui a appartenu autrefois à Gary Grant, puis à Terry Melcher. Elle s'enfuit chez un voisin en hurlant « Au meurtre, mort, cadavre, du sang ». La police découvre le cadavre d'un jeune homme de 18 ans au volant de son coupé blanc tué de 4 balles à bout portant. C'est Stephen Parent. Sur la pelouse, devant la maison, il trouve le corps d'Abigail Folger, riche héritière transpercée de multiples coups de couteau. Elle a perdu tant de sang que sa chemise de nuit blanche paraît rouge. Près de la porte d'entrée gît le corps de son petit ami, Wojtek Frigowski, écrivain, producteur et dealer, atteint de 2 balles dans le dos, poignardé 51 fois et frappé à la tête de 13 coups de crosse. Le corps de Sharon Tate, célèbre actrice de cinéma enceinte de 8 mois, se trouve pendu dans le salon. Elle a été étranglée puis poignardée 16 fois. Son mari, le réalisateur Roman Polanski, est en voyage en Europe. Près d'elle se trouve le corps de son ex-fiancé, Jay Sebring, coiffeur, le poumon traversé d'une balle, la tête recouverte d'une serviette de bain, telle une capuche. Il est attaché à elle par une corde passée autour d'une poutre. Sur la porte d'entrée, on a écrit le mot « pig », porc en anglais, avec le sang de Sharon Tate. Les policiers sont horrifiés et déroutés. Leur première réaction est d'arrêter le seul survivant de la maison, un jeune homme de 19 ans, William Garretson. Employé comme gardien, il vit dans une petite maison sur la propriété. 2 jours plus tard, il est relâché. La situation est la suivante. Il a été relâché. Nous avions préparé une demande de mise en liberté que nous allions déposer aujourd'hui s'il n'était pas relâché. Nous avons fait connaître notre position aux autorités et nous sommes prêts à aller devant les tribunaux. La police a mené son enquête et après avoir examiné notre position, on est arrivé, je pense, à la même conclusion que la mienne depuis le début, que ce garçon est innocent. Il n'est impliqué en aucune façon et il a été relâché. Le lendemain des meurtres de Cello Drive, à 25 km de là, la police découvre 2 nouveaux cadavres. Leno LaBianca, riche propriétaire de supermarché, a été tué de plusieurs coups de couteau dans sa villa de style hispanique près de Griffith Park. Sa femme, Rosemary, a été poignardée puis étranglée avec un fil électrique. Le mot « war », guerre en anglais, a été taillé sur la poitrine de LaBianca. Une fourchette est plantée dans son ventre, il a la tête recouverte d'une taie d'oreiller. Sur les murs du salon, on a écrit « Death to Pigs », mort au porc. Rien n'a été volé. Un porte-parole de la police tente de rassurer le public, mais n'établit aucun lien entre les deux crimes. La police de Los Angeles enquête sur les 2 meurtres. 17 brigadiers et 2 inspecteurs ont été affectés à ces enquêtes. Certains détails sont similaires, mais il n'existe aucun lien entre ces 2 homicides. Le public et la presse ont jugé qu'il y avait un lien, probablement en raison du sang et des inscriptions. Pourtant, c'est assez fréquent en matière d'homicide. Nous avons déjà eu beaucoup d'affaires où le suspect a inscrit des mots avec du sang ou du rouge à lèvres, ou autre chose. Il faudra attendre 3 mois avant qu'un lien ne soit établi entre ces 2 crimes et un troisième, celui de Gary Hinman, professeur de musique. Un hippie nommé Bobby Beausoleil a laissé ses empreintes digitales sur les lieux de ce dernier crime. Lorsqu'il est arrêté, il porte une chemise tachée du sang de Hinman. Une jeune femme, Susan Atkins, est identifiée comme ayant assisté au meurtre. Elle fait partie d'un groupe de hippies arrêtés lors d'une descente de police dans une communauté installée dans un vieux ranch.
Ils gagnent leur vie en volant des Volkswagen et en les transformant en buggies. Ils sont surpris avant l'aube par une descente de la police routière. On se droguait constamment et on volait des voitures. On restait là toute la journée, on dormait et c'est à peu près tout. Et on allait ramasser des ordures qu'on mangeait au repas. Et on allait au magasin de temps en temps. Et c'était à peu près tout. Dormir et se défoncer. Les agents trouvent le chef de la bande, caché dans un placard sous le lavabo de la salle de bain. Il est petit, 1m58, et se prétend chanteur folk. C'est Charles Manson. 24 des membres de la famille, comme ils disent, sont arrêtés lors de cette descente. Leur arrestation n'a aucun rapport avec les meurtres de Sharon Tate ou de LaBianca. Manson comparaît devant le tribunal en audience préliminaire pour vol de voiture. Quelques jeunes femmes de la communauté assistent à l'audience en spectatrices. Susan Atkins est incarcérée. Elle se vante auprès d'une compagne de cellule d'avoir participé aux assassinats de Sharon Tate et de LaBianca, ainsi qu'à celui de Inman. Celle-ci prévient la police et le 1er décembre, la police de Los Angeles convoque une conférence de presse. Aujourd'hui, des mandats d'arrêt ont été lancés contre 3 individus pour les meurtres de Sharon Tate, Abigail Folger, Frakowski, Stephen Parent et Thomas John Sebring. Ces meurtres ont été commis le 9 août sur Cielo Drive, à l'ouest de Los Angeles. Ces personnes sont également impliquées dans les meurtres de Rosemary LaBianca et de Leno LaBianca, président de Gateway Markets à Hollywood. Cet homicide a eu lieu le lendemain, le 10 août 1969. 4 ou 5 autres personnes seront désignées dans des actes d'accusation qui seront présentés auprès du grand jury du comté de Los Angeles. Les personnes contre lesquelles des mandats ont été lancés sont Charles Watson, 24 ans, actuellement en détention à McKinney, Texas. Patricia Krenwinkel et Linda Casabian, toujours en liberté. L'information obtenue durant l'instruction des 2 enquêtes distinctes, Tate et LaBianca, a conduit les inspecteurs à la conclusion que dans les 2 cas, les crimes ont été commis par les mêmes personnes. Linda Casabian se transforme en témoin à charge, ce qui conduit à l'arrestation de 3 autres membres de la famille. Ce sont Leslie Van Houten, dite Lulu, 20 ans, Steve Grogan, 17 ans, et son chef, Charles Manson. Né il y a 35 ans de père inconnu, il est le fils d'une prostituée. Sa mère étant souvent en prison, Charles grandit dans des orphelinats et séjourne régulièrement dans des maisons de redressement et des prisons pour cambriolage, vol de voiture, contrefaçon et proxénétisme. Le jour de sa libération du pénitencier de Californie, il a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il implore qu'on lui permette d'y rester. « C'est mon seul foyer, dit-il aux autorités. Je ne sais pas si je pourrais m'en tirer dehors. » Au début de 1967, il se rend à San Francisco et s'aperçoit vite qu'il s'en tire très bien. La ville est devenue la capitale d'une nouvelle culture. Planer et vivre en marge sont les nouveaux mots d'ordre. La marijuana et les drogues hallucinogènes sont partout. Manson découvre qu'il peut s'assurer le gîte et le couvert en séduisant des jeunes filles des milieux aisés qui portent des fleurs dans leurs cheveux. Il les tient en les droguant au LSD et par des orgies sexuelles. Tout le monde doit atteindre la vérité. Tout le pays, le monde entier va devoir atteindre la vérité. Et ce n'est pas l'argent. La vérité n'est pas votre argent. Une douzaine d'entre elles sont heureuses de partir avec lui pour Los Angeles. Les meurtres commencent alors qu'ils vivent au vieux ranch Span, à Simi Valley, l'ancienne demeure d'une star du western. Contre diverses faveurs des membres de la famille, dont Lynette Fromm, dite Squeaky, George Span, le propriétaire âgé de 81 ans,
autorise le groupe à y vivre en toute liberté. Ils ont une vie idyllique et partagent tout. Mais il y a également un côté sinistre. Psychotique, Manson invente des jeux où ils sont à tour de rôle des victimes torturées et terrorisées. Il domine totalement ses disciples. Quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a parlé. Il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Les seules règles sont qu'il n'y a pas de règles. Il faut juste contempler et être beau et tout est beau pour toi. Des choses comme ça. Et je l'aime. Son soi-disant pouvoir, il vient seulement de son bonheur. C'est ce qui attire les gens. Il est totalement heureux, chaleureux. Il danse, il chante, il est beau, il est heureux. Et ça attire beaucoup de gens, tout comme les gens sont attirés par les bébés. La police fait une descente dans le ranch à la recherche de voitures volées. Ils y découvrent de nombreuses armes. Des membres de la famille, dont Charles Manson, sont arrêtés. Mais seront relâchés car la date du mandat d'arrêt est incorrecte. Parmi les prévenus relâchés figure Donald Shee. Il ne s'entendait pas avec Manson et disparaît un jour mystérieusement. Des membres de la famille diront que Manson l'a abattu, a découpé son corps et enterré les restes à travers le ranch. Ils sont arrêtés à nouveau lorsque Susan Atkins se vante des meurtres. Grâce à ses aveux, la police relie enfin les meurtres de Sharon Tate, Inman et la Bianca. En prévision du procès, l'accusation demande au juge d'entendre les affaires ensemble. Nous souhaitons juger en même temps les 6 accusés dans les 3 affaires. Cela dépendra, bien entendu, de la décision du juge. Au cas où l'un des accusés tente de dissocier les affaires ou les accusés. Nous sommes prêts et comptons toutefois les faire passer en jugement dès que possible et juger les 6 accusés pour toutes les affaires en même temps. Le procès de Charles Manson et de ses disciples dure plus de 9 mois et demi et bat tous les records. C'est le procès le plus long et le plus coûteux qui ait jamais eu lieu aux États-Unis. Les membres de la famille Manson soutiennent unanimement leur gourou. Chaque jour, Susan Atkins, 21 ans, Leslie Van Houten, 20 ans, et Patricia Krenwinkel, 21 ans, entrent d'un pas léger au tribunal avec lui. La défense s'interroge. Bien sûr, nous avons des doutes. Charles Manson est un homme étonnant à bien des égards. Et je ne suis pas convaincu qu'un avocat désigné par le tribunal sera assez persuasif pour lui faire accepter les choix du juge Keane dans cette affaire. Je ne veux pas cette affaire à tout prix. J'aimerais m'en charger et je pense qu'elle est intéressante. Comme je l'ai dit, 2 équipes différentes d'avocats ont discuté avec Manson et Manson a demandé si j'accepterais de le défendre. Je suis venu le voir pour cette raison, seulement pour cette raison. Parfois, les 3 jeunes filles chantent comme des écolières sur le chemin du tribunal afin de montrer leur solidarité avec Manson. Susan Atkins tente à présent de se rétracter. Entre-temps, les avocats poursuivent leur manœuvre dilatoire. Nous voulons nous conformer à la loi. Or, des règles de procédure existent que les avocats sont tenus de suivre. Et notamment celle définissant quelle est la preuve nécessaire ou suffisante et qui doit apporter cette preuve. Si un avocat pose une question dont la réponse ne doit pas être fournie au tribunal et au jury, la partie adverse doit alors s'opposer à ce que la réponse soit fournie. L'avocat de l'accusation, Vincent Bugliosi, est confiant. La défense peut prétendre ce qu'elle veut. Je suis sûr qu'elle va avancer toutes sortes de preuves et de réclamations pendant le procès, mais il n'est pas sûr qu'ils seront entendus ou crus. Lorsqu'on lui demande de commenter les rumeurs selon lesquelles le témoignage d'Atkins pourrait être mis en doute parce qu'elle a pu prendre du LSD, il doute des chances de succès de cette tactique de défense. Il est fréquent et habituel que la défense attaque la crédibilité de chaque témoin, et en particulier d'un témoin principal, par tout moyen à sa portée. Je ne m'attends pas à des problèmes en ce qui concerne le LSD. Que quelqu'un prenne du LSD ne veut pas nécessairement dire que par la suite, il sera dans l'impossibilité de dire la vérité sur quoi que ce soit. C'est tout à fait ridicule.
Mais malgré les tentatives d'obstruction et la détermination de la famille pour tourner le procès en dérision, une histoire de meurtre commis avec une sauvagerie barbare apparaît dans toute son horreur. Manson change fréquemment d'humeur et d'apparence, et ses acolytes, toujours envoûtés par lui, copient fidèlement chaque changement. Il s'efforce de transformer le procès en farce, se rase la tête et se taillade des croix gammées sur le front. Rien ne peut masquer l'étendue de leur dépravation. On découvre que Manson croyait pouvoir fomenter la haine raciale en assassinant au hasard des gens aisés et en rejetant la responsabilité sur les activistes noirs. Il envoie ses disciples en mission avec pour consigne de tuer en utilisant les méthodes les plus sordides possibles. Alors que Manson a désigné la villa de Sharon Tate pour se venger de son ancien propriétaire, celle d'Ella Bianca est choisie au hasard. Les disciples de Charles Manson s'arrêtent donc devant une riche résidence dans laquelle il paraît facile de s'introduire. Le juge et les avocats font l'objet de menaces constantes. Tout comme Linda Casabian, qui s'est assurée l'immunité en comparaissant comme principal témoin à charge. Elle témoigne durant 18 jours et révèle tout. Pourtant, l'emprise de Manson est sur elle si forte qu'elle déclare l'aimer toujours. Se rappelant les meurtres, Susan Atkins témoigne. « Il faut avoir un véritable amour dans le cœur pour faire ça pour quelqu'un », dit-elle en parlant de Manson. Elle ajoute qu'en poignardant Sharon Tate, un frisson d'excitation l'a parcouru. Avec une naïveté horrifiante, elle ajoute « Plus on le fait, plus on aime ça. » L'hypnose est suggérée comme défense. Je vais démontrer qu'elle n'était pas dans son état normal. Qu'en fait, elle suivait cet homme. Et comme je l'ai indiqué, elle faisait tout ce qu'il disait. Même si c'était mal. Maintenant que vous avez vu les autres rapports sur Charles Manson, je pense que tout porte à croire que cet homme possède cette faculté d'asservissement des gens. Quelques années plus tard, devant une commission de libération conditionnelle, un des rares hommes de la communauté, Tex Watson, fait une déclaration accablante. Charles m'a dit de prendre le fusil et le couteau et d'aller où Terry Melcher avait habité. Il m'a dit de tuer tout le monde dans la maison, de la manière la plus horrible possible. Toutefois, il nie avoir pendu Sharon Tate après l'avoir tué. Je ne peux pas avouer ça, parce que ce serait un mensonge. Je ne me souviens pas qu'elle ait été pendue. J'y ai souvent repensé et je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je ne me rappelle tout simplement pas ce fait en particulier. Quant à dire que c'est moi qui commandais, j'étais le seul homme présent. Je ne me considérais pas comme un leader, mais plutôt comme un disciple de Charles Manson. Et j'exécutais ses ordres. Comment Manson a réussi à établir cette domination est une question essentielle, tout comme sa santé mentale. Tout va bien, tout va bien. Lui, il s'est encore ridiculisé. Il n'a aucune raison de mettre en doute ma santé mentale. La question de la santé mentale de Manson domine le procès. Parmi les témoins à charge, il y a la domestique qui a découvert les meurtres de la maison de Sharon Tate et le gardien auquel la presse s'intéresse. Le chien a aboyé pendant la nuit, mais vous n'y avez pas prêté attention. Non. Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait eu tant de coups de feu et de cris et que vous n'avez rien entendu? Je ne sais pas. Vous écoutiez de la musique à ce moment-là. Oui, oui. Le jury délibère 10 jours avant de prononcer un verdict. Puis il reconnaît Manson, Atkins, Krenwinkle et Van Houten coupables. Ils sont condamnés à mort. Plus tard, au cours d'un autre procès, Manson, Bruce Davis, Bobby Beausoleil et Steve Crogan seront déclarés coupables d'autres meurtres. Tex Watson est jugé séparément et reconnu coupable. Malgré toutes ces révélations, les disciples de Manson lui restent fidèles. Ce sont seulement des frères et sœurs, et Charles Manson est votre frère. Et plusieurs de vos sœurs sont en prison. Beaucoup d'innocents sont crucifiés. Lynette Fromm, chef de la famille en l'absence de Manson, est son porte-parole.
Je n'ai pas le droit d'avoir des livres de droit dans ma cellule. La bibliothèque de droit de la prison est totalement inadéquate pour des recherches juridiques. Je ne suis pas autorisée à avoir un téléphone à mon nom. Je ne peux pas recevoir d'appel. Mon travail juridique est constamment surveillé par le shérif. Plusieurs années après, Lynette tentera d'assassiner le président Gerald Ford et sera condamnée à la prison à vie. Les membres de la famille échappent à l'exécution lorsque la Californie abolit la peine de mort en 1972. Condamné à perpétuité, Tex Watson semble s'être repenti. Il se bat sans succès pour obtenir sa liberté conditionnelle. Je dois vivre tous les jours avec ce que j'ai fait, tout comme les familles des victimes. Je ressens beaucoup d'amertume, une profonde hostilité et de l'indignation envers ce que j'ai fait. Malgré son apparence élégante, l'appel de Susan Atkins en faveur d'une libération conditionnelle est rejeté. Elle est déclarée inapte à vivre en société. Vous avez été reconnu coupable d'un crime particulièrement odieux. Et nous estimons que vous ne pouvez bénéficier pour le moment d'une libération conditionnelle. Et que si vous étiez libéré, vous représenteriez une menace réelle pour la société. Au fil des ans, Charles Manson a fait sporadiquement des apparitions provocantes lors d'appels et de demandes de libération conditionnelle. Je retourne dans ce vieux trou. Que pensez-vous de cette décision? Quelle décision? De vous garder en prison. Tout le monde est en prison. Il a également donné des interviews à la presse dans lesquelles il semble parfois lucide, parfois dément, comme ici quand il parle de Gary Inman. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire. Et je me suis demandé, pourquoi ce mec ne ferait-il pas quelque chose que je lui dis de faire? Et il a dit, non. J'ai dit, comment ça se fait que je fais toujours ce que tu me dis de faire, mais que tu ne fais jamais ce que je te dis de faire? Et il a dit, blablabla, blablabla. Alors j'ai dit, eh bien maintenant tu fais ce que je te dis. Et il a dit, non. J'ai dit, tu vas faire exactement ce que je te dis. Une autre fois, après le rejet de sa demande de libération conditionnelle, on demande à Manson où il irait s'il était relâché. J'irais peut-être en Libye, j'irais peut-être voir l'Ayatollah, j'irais peut-être en France régler son compte à un type qui pourrait me contrarier. Manson est toujours en prison et il est peu probable qu'il en sorte un jour. Ce n'est qu'un maigre réconfort pour la société, étant donné qu'il n'exprime absolument aucun remords pour ses crimes. Des remords, pourquoi? Vous avez fait tout ce qu'il est possible de faire contre moi. Est-ce que cela ne me donne pas le même droit? Je peux vous faire tout ce que je veux, quand je veux, parce que c'est ce que vous avez fait contre moi. Si vous me crachez à la figure et me frappez au visage et me placez en isolement pour rien, que croyez-vous qu'il va se passer quand je sortirai d'ici? J'en ai peut-être pas encore assez fait. C'est peut-être de ça dont j'ai honte, de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir assez donné, de ne pas avoir été plus perspicace, plus conscient, de ne pas avoir compris, d'avoir été stupide. J'aurais peut-être dû tuer 400 ou 500 personnes, alors je me serais senti mieux. Et je pense avoir vraiment offert quelque chose à la société. Vous vous obstinez à croire que j'ai assassiné quelqu'un. Pourquoi dites-vous que je suis un assassin? Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un. J'y pense. Je l'ai là-dedans. La rue est mon univers. J'ai pas envie d'aller dans un quartier chic et d'être quelqu'un de chic. Je pourrais le faire. Mais je trouve plus de réalité dans le monde dans lequel je suis que dans tout ce clinquant. Et le monde réel est celui que je dois affronter chaque jour. Croyez-moi, si je me mettais à assassiner des gens, aucun d'entre vous ne serait vivant aujourd'hui. There'd be none of you left.